super patrouille au complet est prête pour une super opération, chef. Merci d'avoir fait si vite, les amis. Monsieur Hellinger semble avoir créé de toutes pièces plusieurs clones de lui-même. Je me demande comment c'est possible. En plus, ils ont volé le salon de Cathy et Callie alors qu'elles étaient à l'intérieur. À l'aide! Super Chase, tu utiliseras ta vitesse supersonique pour rattraper les clones et les arrêter. Et de Super Ruben, à l'aide de ta force prodigieuse, tu remettras le salon à sa place. La Super Patrouille part en mission! Le salon de toilettage a laissé des pierres sur son passage. Dans ce cas, suis-les et essaye de rattraper les clones. Compte sur moi, je file à la vitesse de l'éclair! Arrêtez-vous, monsieur Hellinger, et reposez le salon de Cathy sur le champ! Arrêtez tout, on va tomber! C'est le moment de s'enfuir! Cathy, est-ce que tout va bien? En appelant du renfort immédiatement. Marcus, rejoins-nous près des gorges. Je suis prêt pour un sauvetage bouillonnant. Me voilà, Ryder. Génial, Super Patrouille, déployez la puissance maximale. Entendu, sur tous pour un. Marcus, tu vas réaliser un saut puissance maximale pour faire sortir Cathy et Callie au plus vite. Entendu. Marcus, c'est l'heure de sortir. Accrochez-vous. Merci. Chase, utilise ton super aboiement pour soulever le salon. Attrape-le, Ruben. Un grand merci pour ton aide, Ryder. Y a pas de quoi. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'avoir fait vite, les amis. Le capitaine Turbo a un comportement quelque peu étrange. Il file à toute vitesse sur le skate à turbo de Danny. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase. À bord de ton véhicule tout-terrain, tu iras porter secours au capitaine Turbo avant qu'il ne blesse quelqu'un ou qu'il ne se fasse mal. Chase est sur le coup. Super! La Pat Patrouille part en mission! Chase, pars à la recherche du... Capitaine Turbo? Ryder, je suis descendu une minute de mon skate et le Capitaine Turbo a foncé dessus! J'ai trouvé ça extrêmement bizarre! Fais-moi confiance, je vais retrouver ta planche, Danny le Hardy! Je m'appelle Danny X le Hardy! Faites attention, capitaine! Vous risquez de tomber! On dirait qu'il a du mal à nous voir et à nous entendre. Chase, il faut qu'il puisse entendre ta voix. On monte le volume. Ouf! Mégaphone! Capitaine Turbo! Chase, est-ce que c'est toi? Oh! Ouf! Filet! Merci pour ce rattrapage périlleux. Oh! Ça y est, j'entends tout. Mais mes lunettes sont bel et bien perdues. J'ai quelque chose pour vous. Très bon travail, Zuma. Capitaine Turbo, vous pouvez remettre vos lunettes. Mille merci pour votre aide. Si jamais vous perdez vos lunettes, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Bonjour, Madame Goodway. Ryder, c'est une urgence. La statue de Galinetta a disparu. La Pat Patrouille vient tout de suite vous rejoindre. Ça nous aiderait sûrement de savoir par où les ravisseurs sont partis. Chase, vois si tu trouves une piste avec tes lunettes de vision thermique. Ryder, j'ai une piste. Elle s'arrête à la bouche d'égout. Chase, envoie un drone pour voir s'il repère quelque chose dans ses souterrains. Drone! Voilà la statue! Super! Mais pourquoi est-ce qu'elle bouge? C'est le maire Hellinger! J'aurais dû m'en douter! Je ne crois pas avoir invité la Pat Patrouille à ma petite sauterie! Du balai! Monsieur Hellinger a dû endommager la caméra du drone! Il n'y a plus qu'à trouver un autre moyen de le suivre! Quoi de neuf, Ryder? Monsieur Hellinger a enlevé la statue de Galinetta et il essaie de s'échapper à travers les souterrains de la Grande Vallée! Rejoins-moi devant le tunnel avec ton aéroglisseur! Ryder, regarde! C'est l'heure du pas.
Attends, le courant est trop fort. Il nous emporterait et nous rejetterait loin dans la baie. Ce tunnel nous mènera directement à Foggy Bottom. Un alligator. Marche arrière, tout. Non. Chase, Stella, préparez-vous à une très grosse prise. Abandonnez votre cage de transport. C'est très embarrassant. Super boulot, la patte patrouille. Astic est bien derrière les ailes. Vous les avez extrêmement salies. Patte patrouille au complet, paré à l'action, chef. Merci d'être arrivé si vite. Car le temps presse, nous devons nous dépêcher. Le vaisseau spatial du capitaine Gordy va à la dérive. Nous devons aider le capitaine Gordy à atterrir en toute sécurité en fabriquant une plateforme d'atterrissage, et vite. Il s'agit donc d'une mission de construction et de sauvetage extrême. Entendu, tu peux compter sur nous. J'ai besoin d'un expert en construction pour mener l'équipe. Ruben, tu utiliseras ton super engin de chantier. La patte patrouille part en mission. Gordy devrait atterrir là, mais notre plateforme est trop grande. Il n'y a pas assez de place. Oh, si on manque de largeur, on prend de la hauteur. Que veux-tu qu'on construise, Ruben? Faites-moi confiance et suivez mes instructions. Tout d'abord, nous allons démonter notre plateforme. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Zuma, creuse des trous juste ici. Ryder et Chase, insérez les piliers dans les trous. Oh, je vois le vaisseau de Gordy. Le temps presse, faisons vite. Le capitaine Gordy compte sur nous. Ruben, tu as construit la meilleure piste d'atterrissage. Un toboggan en spirale. Le capitaine Gordy arrive. Il vient d'atterrir, il est sain et sauf. Merci, Ryder. Tout ça, c'est grâce à toi. C'est Ruben que vous devez remercier. Patte patrouille au complet et paré à l'action, chef. Les chiens sauvages ont coincé le bus de Madame Goodway en haut de la spirale rocheuse. Ce qui veut dire que Madame le maire et les touristes sont bloqués dans le désert. À l'aide! Alors pour cette mission, je vais désigner... Chascadeur. Chantastique! Je suis prêt à démarrer sur les chapeaux de roue. Et Ruben? Ruben met toujours la gomme, même en moto. Parfait! La patte patrouille part en mission. Oh, Ryder, je suis vraiment soulagée de te voir. On est là pour vous aider. Ruben, commence à dégager le chemin. Je m'y mets tout de suite. Miaou! Propulseur super vitesse. Corde raide, j'ai toujours voulu marcher comme un funambule. J'ai pas besoin que des gentils chiens viennent à mon secours, et surtout pas un chat. T'es mieux, ce serait moins dangereux de... Les chiens sauvages n'ont pas peur du danger. Chascadeur, on doit reprendre le contrôle de ce bus. Ruben est en train d'essayer de dégager les rochers qui forment un mur tout en bas. Rétraction des griffes pinces. Adieu, ma jolie moto. Tiens-toi prêt. Vite, Ruben. Je viens d'avoir une idée. Un tremplin. Ruben a fabriqué un tremplin. Merci à vous, Ryder, Chascadeur et la motopatrouille. Vous nous avez sauvés. Si votre bus est volé par une bande de motards, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. Salut Everest, comment vas-tu? Ryder, Mademoiselle Marjorie et Ménard sont bloqués dans la bibliomobile qui dévale la route panoramique sans qu'on puisse l'arrêter.
On arrive tout de suite. Aucune bibliomobile n'est trop rapide, car mes amis, ils assurent. Chase, je te fais confiance pour mener à bien ta mission. Salut, Ryder. Qu'est-ce que je suis contente de toi. Rapproche-toi autant que possible et lance ton grappin. Grappin. Stella, vas-y, interviens. Ne serait-ce pas une théière qui siffle? Oh, que s'est-il passé? Mais nous roulons. Mademoiselle Marjorie, attachez-vous au harnais. Ménard. On va s'occuper de lui et de vos livres. Merci. Oh non. Je vais chercher du renfort. Rocky, Ruben, rejoignez-nous sur les lieux du sauvetage. Toute vitesse. Stella, serre-toi de ton crochet, il faut à tout prix l'immobiliser. Je l'ai. Pilotage automatique. Salut Ménard. Allez, boucle ta ceinture. Les freins ne répondent plus. Je vais essayer le frein à main. Oh, il m'est resté dans les mains. Rocky, Ruben, j'ai besoin d'une rampe. Hé, hey, je parie que ces rails pourraient faire l'affaire. Dépêchez, le train est presque là. On a réussi. Pat patrouille au complet, prête à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite. Madame Goodway. Non. Galinetta. Ah. Horatio, François. Ah. Et Danny. C'est Danny X, le hardi. Étaient en haut d'une montagne et sont tous tombés. Oh. Stella, tu devras piloter un super hélicoptère et guider notre équipe d'aviateurs. D'accord, prête pour un grand tour dans les airs. Super, la Pat Patrouille part en mission. Rocky, libère Danny de son deltaplane à l'aide de ta pince. Ruben, rejoins Horatio et François pendant que moi je déroule le câble. Trop cool ton parachute! Pince! Wouhou! Tout va bien! Prochain arrêt, le super hélicoptère! Wouhou! J'adore ce saut de l'extrême! Oh, oh non! Mon bateau glisse! Stella, le bateau de Madame Goodway va tomber! Marcus, Zuma, allez chercher Madame Goodway et faites-la monter à bord. Oh, 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 je vais tomber. Où est? Je la tiens. Bien joué. Oh, quel joli sourire et quel beau paysage. Merci à Stella et à la Pat Patrouille. Si votre ascension tourne à la catastrophe, il suffit de nous appeler. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Madame Goodway et Fermier Hall ont sauté en parachute, mais le vent les a envoyés sur une corniche. Wow, cet endroit a l'air très dangereux. Et il y a un puma qui les observe. Pour cette mission, j'aurai besoin de... Stella. Ruff, prête pour un petit tour dans les airs. J'aurai aussi besoin de... l'agent Chase. Chase est sur le coup. Parfait, la Pat Patrouille part en mission. Voici ce que j'appelle une apparition rassurante. Allez, approche Galinetta. Attention Galinetta. Je te tiens ma cocotte. Merci Stella. Et je reviendrai vite vous chercher Madame Goodway. Le puma escalade en direction de Madame Goodway. Il faut la sortir de là de toute urgence. Ouf, tyrolienne. Mégaphone. Madame Goodway, servez-vous de ma tyrolienne pour descendre de la corniche. Je suis une vraie aventurière. Mais je ne suis pas assez courageuse pour affronter un puma. Piquez ce que Madame le maire fabrique. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure idée que j'ai eue aujourd'hui. Des petits pumas trop mignons. Ryder, il faut qu'on l'aide à descendre.
Marcus, rejoins-nous sur la montagne. J'arrive tout de suite. Madame Goodway, accrochez-vous au bout de l'échelle. Oh, 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 s'il te plaît, ne monte pas sur l'échelle, c'est dangereux, mon petit chat. Oh. Rendons ce petit à sa maman. Bon travail, Marcus. Oui, Marcus, tu as été très courageux. Et aussi chaud que puissent être ces petits chatons, mon cœur en pince toujours pour les cocottes. Viens par ici, ma poulette. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Madame Goodway? Ryder, la situation est catastrophique. Quelqu'un a dérobé la clé de la ville. Madame le maire, je vous informe qu'un vol de tarte a eu lieu. Ah, il y a eu un cambriolage à la plage. Idem au musée. Ryder, il faut retrouver les voleurs. Madame Goodway, les autres témoins et vous-même pourriez décrire leur véhicule? Ils étaient exactement comme vos véhicules. Nous allons percer ce mystère. Aucune clé n'est trop perdue, car mes amis, ils assurent. Notre mission est d'identifier et de neutraliser le suspect. Ils ont dû prendre la clé de la ville pour ouvrir et se servir de nos véhicules pour tout voler. Donc le voleur de la clé doit forcément communiquer avec ceux qui conduisent nos véhicules. Nous pouvons peut-être les écouter. Ohé, appel à tous les pirates mobiles. Rejoignez-moi à mon repère secret en dehors de la ville. C'est Sid Laratis. Ah, suis-moi, il est encore temps de s'enfuir. Tu risques de nous ralentir, désolé. J'ai toujours la clé. La prochaine fois, j'arriverai enfin à piller tous les trésors de la Grande Vallée. Zuma, arrête-les. Mais on a toujours la clé. Où est passée la clé? La Grande Vallée vous remercie tous infiniment. Il n'y a pas de quoi. Et n'oubliez pas, si un pirate essaie de vous cambrioler, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Cette mission est assez insolite. On ne sait pas comment, mais les singes ont réussi à construire une cage et enfermer Carlos à l'intérieur. Au secours ! Ça alors ? Bizarre, comment les singes ont-ils pu construire une cage ? Selon Tracker, ils ont dû trouver ces outils colorés dans la jungle. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Recycler, c'est bien joué ! Et de Chase. Chase est sur le coup ! Parfait ! La Pat Patrouille part en mission ! Reviens ! Tu n'as pas besoin d'une clé à molette. Et toi, donne-moi ça. La Pat Patrouille. Je suis soulagée que vous soyez là. Content de pouvoir t'aider, Carlos. On va te faire sortir de là en un rien de temps. Rocky, commence à démonter la cage. Je m'en charge. Tournevis. Merci, Rocky. Et à toi aussi. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Ryder, Carlos, vous avez vu Mandy? Non, pourquoi? Voilà pourquoi. Oh, oh, c'est une roue du pas de patrouilleur. On doit récupérer ces outils avant que les singes ne causent d'autres dégâts. Mégaphone. Distribution de bananes. Venez vous régaler. Beau travail d'équipe. Merci, vous êtes vraiment des gentils chiens. Merci à toi, Ryder. Et merci à vous. Vous avez empêché ces petits singes de faire trop de bêtises. Si les singes sèment la zizanie dans toute la jungle, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'avoir fait vite, les amis. Je ne sais pas comment il a fait, mais Monsieur Ellinger est coincé à l'intérieur d'un lapin en chocolat géant. J'aurais jamais cru que Monsieur Ellinger était encore plus gourmand que moi. Et maintenant, quelque chose l'emmène dans la forêt. Alors, il faut vite aller lui porter secours. Donc, pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Compris, Chase est sur le coup. Et de Stella. Prête pour un petit tour dans les airs.
Parfait! La Pâte Patrouille part en mission! À l'aide! Stella, envoie ton harnais! C'est compris, Ryder! Oh. Stella, dépêche-toi, le soleil fait fondre le chocolat! Chase, va au fond de la crevasse et prépare ton filet! D'accord, chef! Qu'est-ce qui se passe? Oh mince, je l'avais presque attrapé! Ouf! Filet! Oh. Ryder, le lapin a rebondi! Et maintenant, il est emporté par le courant! Zuma, viens immédiatement avec ton aéroglisseur! Prêt à plonger dans l'action! Maintenant, il faut qu'on ramène ce lapin sur la berge! Ryder, on a un gros problème! Tu as raison, ces dauphins sont trop près de Monsieur Ellinger! Zuma, j'ai besoin que tu ramènes le lapin sur la berge et vite! Boué! Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur Ellinger, attrapez la bouée! Bon, vous en avez mis du temps, mais merci de m'avoir sauvé! De rien, c'est normal, Monsieur Ellinger! Si vous êtes coincé dans un lapin en chocolat géant, il suffit de nous appeler! Retrouve les épisodes de la Pâte Patrouille sur Nickelodeon Junior! Vous êtes épatante, Mademoiselle Marjorie! C'est gentil, merci beaucoup! Mais soyez prudente avec la torche! Nous en avons besoin pour allumer la grande flamme et débuter les championnats! Je ne voudrais pas glisser, trébucher ou... Mademoiselle Marjorie, est-ce que tout va bien? Oui, ne vous en faites pas pour moi! En revanche, où est passé le flambeau? Oh non! C'est affreux! Messieurs, dames, dépêchons-nous! Bonjour, Madame Goodway. Vous êtes prête pour la cérémonie d'ouverture? Eh bien, je l'étais. Mais le parc est en train de prendre feu. Aucun parc ne va brûler, car mes amis, ils assurent. Merci beaucoup d'être venu si vite, la Pâte Patrouille. Qu'en penses-tu, Marcus? Je ne vois aucune flamme à l'extérieur, donc je pense que ce sont les racines qui ont pris feu. Tout a commencé lorsque le flambeau est tombé dans un terrier de marmottes. Chase, utilise ta vision thermique. Les racines ont pris feu. Stella, j'aimerais que tu survoles la zone pour voir s'il y a de la fumée ailleurs. Elle! Marcus, Ryder, je vois de la fumée par ici. Stella a raison, je vois un deuxième incendie souterrain. D'autres racines ont dû prendre feu. Et les marmottes commencent à sortir de leur terrier. Leur terrier forme des galeries souterraines reliées entre elles. Il suffit d'arroser l'ensemble de ces galeries. Mais avant, nous devons faire sortir toutes les marmottes de leur maison. Par ici, venez! J'ai plein de bonnes friandises! Attends, marmotte en vue! Coucou, toi! Tu voulais nous aider à éteindre l'incendie, c'est ça? Dépêche-toi, Marcus! Accroche-toi! Il n'y a plus aucune trace de fumée! L'incendie est bel et bien éteint! C'est terminé! On a réussi! Bravo, les amis! Retrouve les épisodes de la Pâte Patrouille sur Nickelodeon Junior! Pâte Patrouille au complet, prête à l'action, chef! Danny a décidé de réaliser une cascade en pique-niquant au-dessus du vide. Et maintenant, à cause du vent, il se retrouve la tête en bas. Heureusement, il a prévu une sécurité, mais nous devons le sortir de là. J'arrive avec le filet! Salut, Danny! Je m'appelle Danny X le Hardy. Je vais te remettre à l'endroit, d'accord? Fais attention! Je ne veux pas que mon super repas de l'extrême tombe! D'accord, mais on est là pour te sauver, toi! Le reste attendra! Pince! Enfin, ça n'a pas été facile! Mais pourquoi Ryder est là? J'y suis presque! Heureusement que tu as mis le filet! Merci! Je peux voler avec mon vélo! Ma vidéo va faire un carton! Je suis un expert du vélo volant! Oh, presque! Oh, Danny a encore besoin d'aide! Les amis, rejoignez-nous dans les airs pour rattraper Danny! Filet! On te tient jusqu'à ce qu'on atterrisse! D'accord, je crois que ça...
C'est une excellente idée. Voilà. Quelle efficacité! Vive la patatrouille! Sacrée cascade, cher fan! Si ces figures incroyables ont été un succès, c'est grâce à la Pat Patrouille! Merci, Ryder! Oh, de rien! Si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous appeler! Allez-y, partez! Passez de bonnes vacances! Entendu! Au revoir! Tu es sûr que c'est le bon chemin? Je ne vois rien avec tout ce brouillard! Tu vas voir, cet hôtel, c'est le top du top! C'est Gabi qui l'a trouvé sur Internet et qui a réservé! Voilà la plage. Je savais bien qu'on ne s'était pas trompé de chemin. Regarde, il y a un fauteuil relax, tout le confort. Mais l'hôtel, où est-ce qu'il est? À mon avis, il doit être par là. Finalement, c'est bien ici. Ça me plaît. Oh, regarde un peu ça. Tu as vu ces jolis chapeaux? C'est pour les pensionnaires, je suppose. Voilà votre ton, mes chatons. Oh, un véhicule? On a des visiteurs. Des intrus dans mon repère secret, ils ne vont pas s'en tirer comme ça. On peut même dire qu'ils ne vont pas s'en tirer tout court. Fermeture d'urgence du repère secret. C'est quoi ces vibrations? Peut-être qu'on est près d'un aéroport. Ah, que ça vous serve de leçon! Vous voilà coincés! Avec mes chatons! Ah, mes chatons! Oui, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Ryder. J'ai courageusement enfermé des intrus dans mon repère avec un gros rocher. Hélas, mes chatons sont bloqués à l'intérieur avec eux. On vient tout de suite. Nous voilà, monsieur le maire. C'est ce rocher, je suppose? Oui, faites vite. Je ne sais pas ce que je deviendrai s'il arrivait quelque chose à mes chatons. Paré pour un déplacement de rocher. Oh, mes chatons adorés. Vous n'avez pas eu trop peur avec ces vilains intrus? D'ailleurs, qui ça peut bien être? Tiens, bonjour Ryder, toi aussi tu as réservé dans cet hôtel? Ah bah ça alors, quel hasard! Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Bienvenue au Palais Royal, Monsieur Star. C'est un honneur d'être là. Luc, ça me ferait très plaisir de prendre le thé avec vous cet après-midi avant le concert. Génial! Je me demande ce qui prend autant de temps à Luc. Princesse, j'ai regardé dans son vestiaire et j'ai cherché dans tout le château, mais je ne le trouve nulle part. Luc Star a disparu. Oh, je ferais mieux d'appeler la Pat Patrouille. La Pat Patrouille, je suis si heureuse de vous voir. Bonjour, princesse. Nous sommes venus aussi vite que possible. Rocky, toi et moi, on va chercher à l'intérieur du château. Stella, tu t'occupes de l'extérieur. C'est parti. Bien reçu, Ryder. En charge. J'ai peur qu'on ne parvienne jamais à le retrouver et que tous les projecteurs ne soient rivés que sur moi. Il n'est pas derrière ces murs. Continue à chercher. Stella, des signes de Luc? Je vois quelque chose. On dirait un chapeau. Il est coincé dans une fenêtre en haut de la tour. Bien joué, Stella. Le mur intérieur de la tour devrait se trouver juste ici. Rocky, essaie de scanner ce mur. Waouh! Un ascenseur secret. C'est Luc. Il est dans une pièce tout en haut. Bien joué, Rocky. Ruben, Stella, rendez-vous à l'extérieur. Bien reçu, j'arrive tout de suite. Pince d'enrochement. Mon chapeau porte-bonheur. Merci la Pat Patrouille, vous m'avez sauvé. Bonsoir les amis, je voulais vous appeler mais Vicky a pris mon téléphone et m'a enfermé ici. Mais au moins, tu vas bien. Maintenant, on t'emmène au concert. Mesdames et messieurs, voici Luc Star. Bonsoir Palais Royal. Désolé pour le retard, princesse. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. La porte d'entrée de la serre est bloquée, ce qui veut dire que Madame Goodway, Galinetta et Monsieur Ellinger sont coincés à l'intérieur. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Réparer, c'est mon domaine. Et toi, Everest? Neige ou verglas, je suis toujours là. Génial, la Pat Patrouille part en mission. À toi de jouer, Everest. Supprime cet énorme tas de neige. Je suis prête pour le grand frisson. Super, bon travail. Il n'y a plus qu'à réparer la porte. Compte sur moi.
Oh, 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 il fait beaucoup trop chaud. Si vous avez chaud, alors enlevez votre manteau. Je vais mettre la climatisation. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ne baisses-tu pas la température? Attention, vous risquez de le casser. On a réussi. Maintenant, allons chercher les deux mères. Nom d'une poule. Qu'est-ce qui se passe, Ryder? La Pat-Patrouille. Est-ce que ça va? Il fait très froid ici. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Ellinger a cassé le thermo-écran. S'il fait trop froid dans la serre, les plantes ne vont pas tenir. On va réparer l'écran. Merci beaucoup, Ryder. Pendant ce temps, Galinetta et moi allons nous réchauffer dans la neige. Ah, oh, effectivement, il est bien cassé. Est-ce que tu peux le réparer, Rocky? Oui, pas de problème. Ouf. Tournevis. Ça y est, ça fonctionne. Contrôle de température activé. Bon travail, Rocky. Les plantes devraient se réchauffer en un clin d'œil. Et je déclare officiellement cette serre ouverte. Merci d'avoir sauvé nos plantes, la Pat-Patrouille. Il n'y a pas de quoi. Si jamais votre serre se refroidit, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat-Patrouille sur Nickelodeon Junior. Au complet et paré à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite, les amis. Quelqu'un a pris tous les pots du délicieux miel de Madame Yumi et a emporté sa ruche. La ruche entière? Oh, c'est trop triste, ça me donne le bourdon. La personne qui a pris le miel a aussi cassé une barrière, alors les animaux de Madame Yumi se sont échappés. Alors pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase. Tu utiliseras ton matériel de vision nocturne et ton drone pour retrouver le miel et la ruche. Et aussi de Rocky. Il faudra que tu répares l'enclos pendant qu'on rassemble tous les animaux. La Pat-Patrouille part en mission! Réparons la barrière pendant que Chase rassemble les animaux. Parfait, j'ai justement quelques planches de bois. Mégaphone! Par ici, les petits cochons! Allez, tu viens, Madame la Vache? Beau travail, les amis. Maintenant, partons à la recherche du miel et de la ruche. Les abeilles se sont installées dans mon repère. Les abeilles ont l'air de beaucoup aimer la fleur qui est sur le chapeau. Elles collectent du nectar. C'est grâce à ça qu'elles fabriquent le miel. Je sais qui appeler. Coucou, Ryder. Je peux t'aider? Oui, tu vas faire sortir les abeilles du repère de Monsieur Ellinger. D'accord. Prête pour un petit tour dans les airs. Les abeilles. Maintenant, reconduis-les chez Madame Yumi. Reçu 5 sur 5. Les abeilles filent faire du miel dans la ruche. Miam! Merci d'avoir retrouvé mon miel, ma ruche et bien sûr mes abeilles. Si vous avez besoin d'aide, faites bzzz pour nous appeler. Pat-Patrouille au complet et parée à l'action, chef. Nous devons aider Madame Goodway et son amie Helga Ellinger qui sont coincées au fond d'un ravin. Au secours! Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Chase est sur le coup. Comme la pente du ravin ne semble pas très stable, tu vas avoir du mal à trouver un bon appui. Alors, j'ai aussi besoin de Ruben. Ruben, mais toujours la gomme. Super! La Pat-Patrouille part en mission. Madame Goodway, Madame Ellinger, est-ce que tout va bien? Maintenant que vous êtes là, ça va beaucoup mieux. Je suis prêt, Ryder. Mon câble devrait être suffisamment long. Tu avais raison, ça glisse beaucoup. J'ai l'outil idéal pour ça. Merci, Ruben. Treuil. Ouh, bien visé, Chase, bravo. Treuil, enroulement. Tout doucement. Tenez bon en bas. Oh, merci du fond du cœur, la Pat-Patrouille. Tout le plaisir est pour nous. Maintenant, nous devons retrouver Monsieur Ellinger. Oh, je dois à tout prix m'approcher de cette fleur. Ne bouge pas, mon petit. Je voudrais que ma mamounette d'amour vole à mon secours. Voilà. Mon petit chou à la crème. Oh, merci, mamounette. Tu as vu, très chère mère, j'ai trouvé la tulipe poule. Oh. Wow. Bravo.
Maintenant, tout le monde pourra admirer la magnifique tulipe poule. Merci pour ce sauvetage périlleux, la Pat Patrouille. Y a pas de quoi, Madame Goodway. Si jamais vous avez un problème de tulipe, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille au complet et prête à l'action, chef. Selon Carlos et Tracker, une odeur bizarre pousse les animaux de la jungle à fuir leur maison. Oh, merde! En voulant s'échapper, un petit singe s'est blessé. Marcus, tu vas prendre ta trousse de secours pour soigner le singe blessé. Et de Stella, tu vas chercher l'origine de cette odeur avec ton hélico. La Pat Patrouille part en mission. Ah, on a trouvé Carlos et Tracker. Ryder, Marcus, merci d'être venu aussi vite. Marcus, examine la patte du singe. Radio! Ta patte va vite guérir, mon petit. On va juste lui mettre un bandage. Oh, oh merde! Stella, as-tu pu identifier d'où venait l'odeur mystérieuse? Je survole le marais. C'est bizarre, il y a plein de bulles vertes qui sortent de l'eau. Je crois que ce sont des bulles puantes. Bien joué, Stella! Beau bandage, Marcus. On va voir ce qui se passe au marais. On appelle ça du gaz des marais. Des plantes et des arbres pourrissent au fond du marais. Quand ils fermentent, ça produit un gaz puant qui fait apparaître ces bulles. Stella, fais du vent avec ton hélico pour pousser les bulles plus loin. Excellente idée, Ryder. Voilà, toutes les bulles sont parties. Je trouve que ça sent déjà meilleur. Chase, Marcus, incident terminé. Vous pouvez ramener les animaux au marais. On s'en occupe, Ryder. On va pouvoir faire notre safari photo. Voici quelques amis qui sont d'accord pour qu'on les prenne en photo. Vous faites du bon travail, les amis. Grâce à vous, ce terrain sera bientôt un endroit très agréable. On pourra en faire un terrain de jeu. Génial! Cet oiseau a déjà trouvé une maison ici. Bonjour, Mademoiselle Marjorie. Ryder, des trous sont apparus dans tout mon jardin. On ne peut plus marcher nulle part sans tomber dans l'un d'eux. Et c'est ce qui nous est arrivé à Ménard et à moi. On arrive, Mademoiselle Marjorie. Je suis très heureuse de vous voir. Où est Ménard? À côté de cet arbre. Oh, Ménard va être pris au piège. Rocky, sors-le de là, vite. Bonjour, Ménard. Un coup de patte? Accrochez-vous à l'avant de ma planche. Trop facile. Stella, déroule ton harnais pour Ruben. Bien reçu, Ryder. Ça va? Tu tiens bon, Ruben? Moi, oui, mais je dirais pas la même chose pour cette maison. Elle ne tient plus que sur un très mince morceau de terre. Mais Ryder, comment vais-je faire? Je ne peux pas vivre dans une maison qui tangue. On va la déplacer. Mais où ça? À l'emplacement idéal, le vieux terrain qu'on était en train de nettoyer. Oh, ça semble parfait. Soulève-la, chien robot. Chien robot, on déménage. Doucement, doucement, tranquille. Maintenant, repose-la, chien robot. Vous avez réussi, les amis. Bravo. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Des phénomènes étranges se produisent au musée. Nous devons percer le mystère. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Avec ta lampe torche, tu partiras à la recherche d'indices. Chase est sur le coup. Super! La Pat Patrouille part en mission. C'est vraiment le bazar ici. De l'eau? Comment c'est possible? Quelqu'un a dû appuyer sur l'interrupteur. Regardez! Les flaques d'eau mènent à ce scaphandre. C'est la pieuvre, elle s'enfuit en courant. Elle s'enfuit en roulant plutôt. Stop! Arrête-toi! Vite, suivons cette pieuvre! Oh, elle se dirige vers l'eau! Je m'en occupe! Ouf! Filet! Hourra! Vous avez sauvé notre...
notre ami qui allait nager de longues heures dans les profondeurs de l'océan. Ah, j'ai l'impression qu'elle veut justement aller dans l'eau. Notre acolyte a l'intention de retourner dans son habitat naturel. Très bonne idée, capitaine. Et je sais à qui faire appel pour cette mission. Voilà les rochers pointus. Regarde, ma grande, on est presque arrivés. Visière. Bienvenue à la grande inauguration de notre exposition. Merci, la patte patrouille, car sans vous, on aurait été paralysés par la panique. Y a pas de quoi. Si une pieuvre doit être raccompagnée chez elle, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la patte patrouille sur Nickelodeon Junior. Patte patrouille au complet et parée à l'action, chef. Merci d'avoir fait vite, les amis. Je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que Madame Goodway conduise une moto hors de contrôle parmi les chiens sauvages. Quelle idée de temps ! Ça a l'air extrêmement dangereux. Alors pour cette mission, je vais désigner Stella. Tu vas te servir de ta moto volante pour immobiliser Madame Goodway. Je suis parée au démarrage et au décollage. Allons-y, la moto patrouille part en mission. Alors, je fais partie de votre club maintenant? Personne n'intègre cette meute sans réussir l'épreuve de la boule d'acier. Alors, Crapule, entrez dans la boule et montrez-nous comme vous êtes méchante. D'accord. Galinetta, tu es prête pour la cascade? Ryder, Madame Goodway conduit une moto à l'intérieur d'une boule d'acier géante. Je vais avoir besoin de l'équipe au grand complet pour arrêter cette boule. On arrive tout de suite, Ryder. Ruben, utilise ta pelle pour former une colline là-bas. Ruben, mets toujours la gomme, même à moto. On a réussi. Tout va bien, Madame Goodway? Oui, ça va, merci. Galinette a commencé à avoir le tournis. Oh, Ryder, je vous suis très reconnaissante à la moto patrouille, à Chascadeur et à toi de nous avoir secouru, Galinetta et moi. Et merci de m'avoir fait entendre raison. De rien, Madame le maire. Si vous avez des ennuis avec les chiens sauvages, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la patte patrouille sur Nickelodeon Junior. Nous avons une mission à accomplir. Papy n'a plus de sirop. Nous devons donc aller jusqu'à l'érable pour remplir la bouteille. La mini patrouille part en mission. L'arbre à sirop, nous l'avons trouvé. Maintenant, il suffit de tourner cette chose et de... Wouhou, c'est une mission accomplie. Mais ça coule pas très vite, j'ai peut-être une idée. Oups. Alex, viens voir, papy, j'ai récupéré plein de sirop. Regarde, ça déborde. Impossible de réparer le robinet. Ce sirop est vraiment très collant. Oh oh, j'ai une idée. J'ai réussi, j'ai bloqué le sirop. Bon, pas tout à fait. Pas de panique, la mini patrouille va nous sauver. Je crois bien que nous allons avoir besoin de renfort. Peux-tu attraper mon téléphone? Merci, voilà qui est nettement mieux. Merci, Marcus. Allons-y, papy. Pas si vite. Oups, désolé. C'est pas grave, nous allons réparer ce robinet. Pas vrai, Rocky? Je m'en occupe tout de suite. Pince. Tu es prêt, Alex? À trois, enlève ton doigt. Un, deux et trois. Et voilà le travail. Miam. C'est tellement bon. Je ne peux plus rien avaler, plus rien. Sans la patte patrouille, Alex et moi serions toujours coincés dans la forêt. Oui, merci beaucoup, Ryder. Et n'oublie pas, en cas de problème très collant, il suffit de nous appeler. T'es fa-
fameux cornichons pétillants sont prêts à être livrés, papy? La marinade est encore plus pétillante cette fois. On peut les charger. Attends, on a oublié un bocal. Hé, ralentis un peu. Si tu secoues trop le bocal, les bulles pourraient le faire exploser comme une canette de soda. Au revoir. Oh, cette route est très bosselée. D'où vient ce bruit? Oh, j'ai peut-être un peu trop forcé sur les bulles. À l'aide! Monsieur Porter, vous n'avez rien? Moi, ça va, mais je ne peux pas déplacer le camion. Pas d'inquiétude. Chase, on a besoin de ton treuil. Chase est sur le coup. Où est le camion de Monsieur Porter? Il est sorti de la route avant d'atterrir sur la corniche. D'accord. Treuil! Je suis sur la corniche. Stella, descends ton harnais pour évacuer Monsieur Porter. Harnais. Accrochez-vous. Ryder, tu as une idée pour remonter le camion sur la route? Si seulement il existait un moyen de le faire bondir depuis la corniche. Les cornichons pétillants vont nous donner un coup de pouce. Rocky, dis-moi si tu vois des bocaux intacts. Oui, il n'en reste plus qu'un. Secoue-le bien et repose-le en dessous du camion. Bocal en place, je vous rejoins. Toc toc, qui est là? Cornichons, cornichons comment? Cornichons tous de là, ça va sauter. Les amis, reculez. Mon plan a fonctionné à merveille. Votre attention, s'il vous plaît, habitants de la Grande Vallée. Sous cette super cloche ultra résistante, de couleur verte, je peux faire absolument tout ce que je veux. Et personne ne peut entrer ni sortir. Je vais appeler la Pat-Patrouille. Les amis, le copichat est quelque part au-dessus de la cloche. Il est temps d'activer le mode véhicule volant. Je ne le vois nulle part, Ryder. Je parie qu'il est à l'intérieur. Il doit y avoir une porte secrète. J'ai trouvé la solution pour entrer. Il suffit de plonger et de passer en dessous. Zuma, Marcus, déployez la puissance maximale. Ryder, je suis enfin sous la fameuse cloche. Je vois le copichat, il est là. Plus pour longtemps. Je le suis à la trace. Attention, évacuation immédiate. Droit devant. On a trouvé la porte. Déployons la puissance maximale. C'est le moment de se mettre en boule. Je tenais à vous remercier, la Pat-Patrouille, d'avoir fait fuir ce méchant copichat. Si jamais vous êtes bloqué sous une cloche géante, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat-Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat-Patrouille au complet et parée à l'action, chef. Un drôle de requin mécanique a avalé Monsieur Porter. Et il fonce à toute allure. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Chase est sur le coup. Et de toi, Rocky. Recycler, c'est mon domaine. Super! La Pat-Patrouille part en mission. Monsieur Porter, est-ce que tout va bien? Danny le Hardy et moi, on est un peu à l'étroit. C'est Danny Hicks le Hardy. On est avec un bébé castor aussi. Pas de panique, nous allons vous sortir de là. Chase, droit devant, tu as de la place. Parfait. Wouf, filet. Un petit creux. Ryder, comment faire pour arrêter ce requin métallique? J'ai une idée.
Stella, viens avec l'électroaimant de Ruben et prépare-toi pour de la pêche de haute voltige. Prête pour un petit tour dans les airs. Oh non, il va tomber dans la baie. Oh, elle a réussi. Hurra. Il s'est enfin arrêté, les amis. Rocky, il nous faut quelque chose de moelleux et de rebondissant. Vite! Entendu! Je pense que j'ai ça en réserve. Allez-y, vous pouvez lâcher, mais un par un. Si jamais vous êtes coincé dans un requin terrestre, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Et maintenant, éloignez-vous. Il est temps pour moi d'essayer mon turbo pantalon. Oh, victoire! Un jus de pomme, s'il vous plaît. Non, non, c'est mon jus. Lâche-le. Que se passe-t-il? Oh, d'où viennent ces bruits étranges? À l'aide! Mon pantalon ne s'arrête plus! Monsieur Ellinger? Un pantalon? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il a besoin d'aide. J'appelle la Pat Patrouille. Je n'arrive pas à arrêter mon pantalon! Stella, suis monsieur le maire. Entendu, je ne le quitterai pas des yeux. Je vois son pantalon en métal qui brille. En métal? Je viens d'avoir une idée. Ruben, j'ai besoin de toi et de ton électro-aimant pour arrêter monsieur le maire. Pas de panique. Au secours, à l'aide. Il fonce droit vers le bord de la falaise. À l'aide. Je tombe, au secours, aidez-moi. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous êtes sauvé. Hein? J'en ai assez de ce pantalon, laissez-moi redescendre. Tout va bien, monsieur Ellinger? Oui, merci de m'avoir libéré de cet horrible turbo-pantalon. Si votre pantalon n'en fait qu'à sa tête, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'être venu si vite, les amis. Quand le bus est arrivé ce matin, Alex avait disparu. Oh non! C'est pas normal! Ne vous en faites pas, on va le retrouver. Pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Avec tes jumelles et ton hélicoptère, tu chercheras Alex depuis les airs. Ouf, prête pour un petit tour dans les airs! Génial! La Pat Patrouille part en mission! Stella, tu aperçois Alex de là-haut? Alex et sa mini-patrouille sont à bord de la limande qui a l'air totalement hors de contrôle. Oh non! Le capitaine Turbo, Lapinou et Sourire sont tombés à l'eau! Je me mets en route. Zuma, rejoins-moi vite en aéroglisseur au large de l'île des phoques. Prêt à plonger dans l'action! Alex, prépare-toi à être secouru! Je crois que je ne vais pas pouvoir tenir cette boîte hors de l'eau très longtemps. À moi de jouer. Merci, Zuma. Tu as sauvé les animaux et les cupcakes d'un bain de mer imminent. Bienvenue à bord, Capitaine Turbo. Merci, Ryder, mais quelqu'un doit arrêter la limande avant qu'elle ne s'échoue sur l'île des phoques. Fonce à la barre, Zuma. D'accord. Pour le grand saut que j'ai à faire maintenant, pilotage automatique activé. C'est parti pour un petit tour en bateau. Changement de cap, on s'éloigne de l'île des phoques. Génial! Oui. Coucou grand-père, désolé de m'être éloigné sans te prévenir. Merci d'avoir secouru mes cupcakes et ma mini patrouille. Il n'y a pas de quoi, Alex. Si tu as besoin d'aide, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille des mers au complet.
François et le capitaine Turbo sont coincés au fin fond des profondeurs. Wow! Les baleines sont douces en général. Je n'en ai jamais vu qui agissent de cette façon. Moi non plus. Quelque chose doit la perturber. Mais d'abord, il faut qu'on aide les turbos. Et pour cette mission, j'ai besoin de Zuma. Tu vas distraire la baleine et l'éloigner de la cloche de plongée. Et Ruben, tu utiliseras ton engin pour remettre la cloche dans le bon sens. Hourra! Les renforts sont là! La baleine est là, elle aussi! Zuma, essaie d'attirer la baleine ailleurs. Hé, la baleine! Tu veux jouer à chat? Je parie que tu m'attraperas pas! Ok, Ruben, tu vas pouvoir y aller. Merci Ruben, content d'être à l'endroit. Allez, on décolle. Hé, elle est passée où la baleine? Ah, la voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ryder, il y a un souci avec la baleine. Elle n'arrête pas de se frotter la mâchoire. Tu peux aller voir de plus près? Ça y est, je vois ce qui la gêne. Elle a quelque chose coincé entre les dents. Rocky, allons aider Zuma à s'occuper de ses grosses dents. Regardez, elle a une branche coincée entre les dents. Il faut vite qu'on trouve un moyen de la soulager efficacement. Je m'en occupe, Ryder. Génial, la corde de taboué. Excellente idée. Couvre bien grand maintenant. On a réussi. Super travail d'équipe, les amis. Et si jamais t'as un autre problème dentaire, n'hésite pas à nous appeler. Tout droit venu de l'Antiquité, voici la mystérieuse statuette d'or de Lupo. Et ces grandes statues, François? Eh bien, ce sont les gardiens de Lupo. Les gardiens se soumettaient aux ordres de chaque personne qui détenait la statuette d'or de Lupo à l'époque. Quelle légende fascinante! Oui, fascinante et étincelante! Oh! Ce n'est pas une pierre précieuse, c'est un morceau de la météorite qui m'a donné mes super pouvoirs! Ces statues bougent, je n'ai pas rêvé. Arrêtez! Oh, ça alors, on dirait que vous m'avez obéi. Apportez-moi le coffre au trésor là-bas. Je peux leur demander ce que je veux. Me voilà à la tête d'une équipe capable de me rapporter tout ce qui brille. Bon, je vous explique. Nous allons faire sortir du musée Madame Pi en la piégeant avec la plus grande statue étincelante qu'elle ait jamais vue. Et nous récupérerons la statuette de Lupo. L'ennui, c'est qu'on n'a pas la plus grande statue qu'elle ait jamais vue. On l'aura. Vous comprendrez quand on volera dans notre super avion au-dessus du désert. Maintenant, voilà la suite du plan. Oh, c'est si difficile que ça de trouver une statue géante ornée de pierres précieuses. Oh, elle est tellement énorme, tellement étincelante. Apportez-la au musée, dans mon repère. Quoi? Je vous ai bien eu, Madame Pi. Quoi? Tu n'es pas une statue? Non, je suis de la super patrouille. Et la légendaire statuette d'or de Lupo n'est pas à vous. Merci beaucoup, Pat Patrouille. Vous avez sauvé l'exposition en rapportant son joyau. Mais de rien, si jamais vos statues se mettent à bouger, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Un chien policier. Oscar a disparu du ranch de Monsieur et Madame Wingnut. Pauvre Oscar. Ensuite, on doit chercher un étrange véhicule recouvert de bric-à-brac que Madame Yumi a vu filer à toute allure. C'est pourquoi cette mission de sauvetage extrême mérite toute notre attention. Chase est sur le coup pour ce super sauvetage. Génial! La Pat Patrouille part en mission! Chase, c'est le bric-à-brac là-devant! Ouf! On monte la cabine! C'est sûrement le mystérieux véhicule que Madame Yumi a vu. Stella, essaie de te rapprocher pour voir qui pilote ce drôle de véhicule. Message reçu, je me rapproche. Lunettes. Je crois que c'est une autruche qui conduit la bric-à-brac mobile. C'est sûrement Oscar. Monsieur et Madame Wingnut vont être contents de retrouver Oscar. Mais il va falloir qu'on arrête ce véhicule et qu'on fasse sortir Oscar avant qu'il ne percute quelque chose. Bien vu, Ryder. Stella, dans quelle direction va Oscar? Il se dirige vers la ville. Si ce
ce bric-à-brac monstrueux ne s'arrête pas, il va finir dans l'eau et Oscar sera toujours à l'intérieur. Zuma, utilise ta planche à roulettes pour arrêter Oscar. Planche à roulettes! Merci d'avoir porté secours à notre petit fugueur. Si une de vos autruches part en voiture, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci pour votre rapidité. On a un double problème dans les égouts. Le réacteur de Danny X le Hardy est incontrôlable et la fusée n'arrive pas à éteindre ses rollers. La fusée? C'est qui ça? Mademoiselle Marjorie, c'était son surnom lorsqu'elle était championne de roller. Donc pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase. L'agent Chase est sur le coup. J'aurai aussi besoin de Marcus. Je suis tout feu tout flamme. Parfait, la Pat Patrouille part en mission. Contente de te voir, Ryder. On n'a pas revu Danny et Mademoiselle Marjorie depuis qu'ils sont entrés dans ces tunnels. Chase, pars à la recherche de nos patineurs. Tout de suite, Ryder. Drone. On va trop vite, je peux pas m'arrêter. Tiens bon et passe-moi mon nouveau pull. Déploiement du pull en vert. Ils sont là. Marcus, Chase, vous allez devoir aller sur la rampe pour les arrêter. Génial. C'est trop chouette. Canon à eau. C'est là qu'il était, ce coquin de bouton. Merci. Merci, la Pat Patrouille. Cette aventure a été tellement extrême que je veux plus jamais revivre ça. À ton service, Danny. Si quelqu'un doit arrêter votre réacteur, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Au complet, paré à l'action, chef. Merci d'être arrivé si vite. Monsieur Porter a reçu une cliente pas comme les autres ce matin. Elle a dû confondre la tarte avec son nounou. Nous devons donc aider Maman Ours à rentrer chez elle. Hé, hey, il ressemble au petit chat de Monsieur Ellinger. Je crois qu'il veut que tu le suives. Mais où est Monsieur Ellinger? Il a peut-être besoin de nous. Rocky, viens avec moi. Bon, d'accord. Mais vas-y tous. Monsieur Ellinger, restez calme et ne vous enfuyez pas. Sinon l'ourson va me courir après. Je sais, j'ai déjà essayé. Stella, on a besoin de toi. Prête pour un petit tour dans les airs. C'est bon, j'arrive. Ça va être bon. Encore un tout petit tour et lâchez. Bouclé. T'es prêt, Rocky? La tarte, on en a besoin. Est-ce que tu sais comment la faire voler? Je savais que ce ballon allait me servir. Regardez, les amis. Laissez-vous guider par l'odeur. Une délicieuse tarte qui vole. Mission retour à la maison. Vous m'avez sauvé la vie, merci. Pas de problème, Monsieur Ellinger. Si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous appeler. Super Patrouille au complet est prête pour une super opération, chef. Merci pour votre rapidité, les amis. Le sauvetage d'aujourd'hui va être super bizarre. J'ignore pourquoi, mais le copycha a utilisé sa super tornade pour déposer l'alimande au sommet de l'île au volcan. À l'aide. Alors, oh non. J'ai besoin de l'équipe au grand complet. Parfait. La super patrouille part en mission.
pitié. Je ne veux pas prendre de bain bouillonnant. Le bateau est tout là-haut. Tenez bon, Capitaine Turbo. Les amis, montez tous sur le pont de la Limande. En montant tous sur la Limande, on va faire contrepoids et le bateau devrait redescendre en glissant le long du volcan. Ça marche! Courage, les amis! Ça va être une sacrée descente! On glisse aussi bien sur un volcan que sur l'eau. Merci la super patrouille. Retrouve les épisodes de Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. J'espère que vous êtes bien cachés parce que j'arrive. Vous, vu Stella. Personne par là. Oh, vous êtes bien cachés, dites donc. Désolé, Gabi. Mes petits agneaux, je vous sers à dîner juste après. Il est temps que j'aille remplir mon seau. Oh, je viens d'arracher le toit de mon silo. Maintenant, mon maïs est à la portée de ces oiseaux affamés. Pas touche à mon maïs! Oh, les oiseaux appellent leurs copains. Je ferais mieux d'appeler la patte patrouille. Oh non! Oh, encore un épi de brun. Patte patrouille, vous arrivez juste à temps pour arrêter ce va-et-vient de corbeaux. Je vais enfin pouvoir réparer ce toit de silo avant qu'on ne le remette là-haut. Chase, va faire un petit coucou à ces chapardeurs avec ton mégaphone. Mégaphone! Allez, Oust, du vent! Laissez ce silo tranquille. Ça va aussi pour toi, la mouette. Super travail, Chase. Continue comme ça. Merci, Ryder. On est synchro, la patte patrouille. J'ai réparé le toit et il est prêt à être reposé là-haut. À toi, Stella. Tu vas pouvoir hisser le toit au sommet du silo. Prochain arrêt, le toit du silo. Et un toit pour le silo. Oh, génial, Stella. Super. Merci, la patte patrouille. Je vais enfin pouvoir finir de stocker mon maïs dans le silo. Et si votre silo repère son toit, n'hésitez pas à nous appeler. Hé, qui veut du maïs pour le dîner? J'en ai des tonnes.